Bon, retour du vide-grenier. Alors, j'ai pas eu grand-chose cette fois-ci. J'ai pris un bouquin d'Aurélien Barrault. J'ai pris. Ah, oui, alors ça, c'était aussi sur le vide-grenier, là. Encore un cadenas d'avance. J'en ai déjà, mais toujours utile. En électronique, j'ai eu les trois trucs là. Trois petites plaquettes de prototypage. Un fond de rouleau de scotch là, bon, que le mec m'a filé avec. Ce petit transphotorique, 24 volts, je crois, ouais, c'est ça. 24 volts, enfin 2 x 12 précisément. Un petit bouton là pour Arduino, enfin Arduino ou autre chose, on s'en fout, très très classique. Le cliquetis fonctionne, donc je suppose qu'il est bon. Un petit opal, alors là je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe, c'est un 25 ohms. Donc il faudra faire attention en le câblant. Mais peu importe. Une pince coupante comme ça, alors j'en avais déjà, mais j'aime bien celle-là, là. Parce qu'elle a l'avantage de pouvoir tenir fermée dans les caisses à outils, donc ça c'est cool. Avec ce petit crochet en plastique orange, là. Alors ça, je viens de le compléter à l'instant, c'est un set de fraises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors sur les 10 qui logent dans la boîte, j'en avais en fait que 7. 7 ou 6, j'ai un doute. Que 7 ou 6 qui étaient restées présentes. Et j'ai complété les autres avec mon propre stock. Bon, ça c'est un classique tournevis pour tenir les embouts. Donc les embouts tête hexa ou tête classique à écrou. Toujours pratique. Un petit tétini, donc c'est le même mec qui m'a vendu les plaques de prototypage là. En fait, le mec voulait se mettre à l'électronique, puis il n'a jamais eu le temps, donc du coup, il n'a pas continué. Ce qui m'arrange bien. Sur le stand d'à côté, j'ai trouvé des petites boîtes. Alors en réalité, là, j'en montre qu'une, mais il y en a 7 ou 8. Par contre, elles ont toutes le même défaut, sauf une. C'est qu'il n'y a pas les couvercles. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est vraiment des trucs où je peux insérer plusieurs PCB. Et éventuellement, de toute façon, pour la façade. Je pourrais le faire moi-même, soit en imprimant au Fab Lab, soit en bricolant une petite plaque métal ou autre chose, peu importe. Ce sera très facile à faire. Par contre, ce qui est bien dans ces boîtes, c'est qu'il y a des inserts pour visser, et c'est des inserts métal. Des vrais inserts métal. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et enfin, une planche de découpe. Alors, j'en ai plein des planches de découpe, mais celle-ci a l'avantage d'être toute petite. Elle fait à peine un format A4, un tout petit peu plus d'un format A4 en largeur et un tout petit peu moins en longueur. Donc ça c'est très très cool. Et côté livres, alors je peux pas vous les montrer parce que je les ai déjà rangés, ils sont dans la pièce d'à côté. Donc un bouquin d'astronomie d'Aurélien Barrault. Et une des bandes dessinées Gaston Lagaffe qui me manquait. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Non, c'est tout. Puisque j'avais vu un sac qui m'avait l'air bien pratique, un sac de randonnée. Mais le mec en voulait trop cher, et puis j'ai pas eu envie de négocier, j'ai eu la flemme. Puis bon, j'avais quand même claqué pratiquement 8 ou 9 euros là, pour acheter tout ça. J'avais pas envie de dépenser plus. Je sais pas, j'étais pas motivé pour dépenser aujourd'hui. Voilà, donc c'est un tout petit retour de vide-grenier, mais bon, c'est le premier vrai que je fais sur la saison aussi. Et c'était pas un vide-grenier avec beaucoup beaucoup d'exposants. Il y avait 120 exposants annoncés et je pense qu'il n'y en avait pas plus de 90. Et encore, sur les 90, il y avait quelques artisans, donc j'ai acheté aussi un peu de bouffe sur place. Quelques légumes, quelques charcuteries, des conneries quoi, bref. Quelques pros aussi, donc on va dire qu'en vrais exposants, vraiment vide-grenier, il devait y en avoir allez, 75 quoi. À tout casser. Donc tout petit vide-grenier, mais bon, c'est cool. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il s'est mis à flotter juste quand je repartais, en fait. Donc du coup, j'ai pas pris l'eau. Allez, à plus.